Si est-il loin des plateaux de télévision et de l'Olympia, où se déroulait la 48e cérémonie des Césars, qu'Isabelle Iturburu a célébré un événement très personnel, son passage à la quarantaine. Une date de naissance qu'elle partage d'ailleurs avec Laurent Ruquier. Si l'on certes 20 ans d'écart, les deux ont pris soin d'organiser une belle fête pour souffler les bougies d'une nouvelle décennie sur leur gâteau. Si du côté du chef des grosses têtes, presque tous les pensionnaires ont répondu présent, Isabelle Iturburu a pu compter sur le soutien de ses nombreux amis. Parmi les convives se trouvait notamment Cécile Gray, une journaliste très souvent présente au bord des terrains de rugby et enceinte de son premier enfant. Mais aussi et surtout Maxime Nucci, connu sous le nom de scène de Yodelis, qui partage la vie d'Isabelle Iturburu depuis presque 8 ans. Les élans d'amour et les déclarations sur les réseaux sociaux ou en public se comptent presque sur les doigts d'une main, mais cela ne les empêche pas de poursuivre leur chemin sur la route de l'amour. Sur les quelques clichés de la soirée partagés sur Instagram par la principale intéressée, on peut apercevoir l'artiste de 44 ans s'affairer devant un billard pour une petite partie. Preuve que restreindre ses sorties à deux sous le feu des projecteurs est aussi gage de longévité. But